Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de votre chaîne préférée, la RTJVA, soyez les bienvenus. Nous vous espérons en bonne forme ce matin. Nous voici encore dans votre émission que vous aimez tant, Sport et Santé. Nous sommes dans le sport pour avoir la santé. Ce jour, nous sommes avec une éminente personne, un homme de Dieu, qui a un appel particulier, et son appel, c'est de prendre soin du corps de l'homme. Mais il connaît l'importance de l'âme également, parce que c'est un chrétien. Nous allons vous présenter le docteur Dansou Jean-Paul. Docteur, bienvenue. Merci. Merci. Bonjour aux auditeurs, aux téléspectateurs et bonjour à toi, cher pasteur. Merci beaucoup, docteur. C'est pas donné parce que vous êtes tellement pris, mais vous avez accepté d'être avec nous sur ce plateau aujourd'hui pour partager ensemble certaines de vos idées avec nos téléspectateurs. Merci pour avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est vraiment un privilège de répondre à cette invitation. Merci beaucoup. Et comme vous le savez, nous parlons toujours sport. Pourquoi le sport? Il faut faire le sport pour être en bonne santé. Il faut faire le sport pour être bien équilibré. Et la Bible n'est pas contre le sport. Mais permettez-nous aujourd'hui, spécialement, nous allons nous cantonner plus sur la santé. La santé du corps, la santé de l'homme. Le but pour lequel nous vous avons fait venir un médecin, nous allons laisser le docteur Dansou Jean-Paul de se présenter de bout en bout, décliner votre identité à nos téléspectateurs. Merci beaucoup, merci pasteur. Je suis, comme vous l'avez dit, Jean-Paul Dansou. Je suis chrétien. J'ai rencontré le Seigneur en 1996, quand je passais de la seconde en première. Wow. Et j'ai donné ma vie à Jésus-Christ dans la chambre et pris une décision de tourner le dos à toute la vie dépravée que je menais. Oui. Pour pouvoir marcher avec le Christ. Gloire à Dieu. Amen. Et donc, depuis là, je suis avec lui. Mm-hmm. Et je marche dans une relation personnelle et intime avec lui. Alors, je suis marié depuis bientôt 20 ans. Wow. Ma chère épouse Essé. Oui. Et j'ai 3 enfants, Esther. Nous saluons déjà Essé et ses enfants. Oui, il y a Esther. Il y a Esther. Oui. Il y a Priscille. Priscille. Et Stéphane, le dernier. Stéphane. Bon, le dernier en attendant, ou bien c'est le dernier, dernier. Je pense que c'est le dernier, dernier. Hein. D'accord. Sauf si Dieu fait quelque chose. Voilà. On lui laisse ce côté voilà, souverain. C'est ça. C'est lui qui décide en fin de voilà. Temps. Voilà. Donc, voilà, c'est ma vie de famille. Je suis médecin spécialisé en imagerie médicale, mm-hmm. ce qu'on appelle radiologue. Oui. Les échographies, la radio, le scanner, voilà. l'IRM. Donc, c'est nous qui interprétons et réalisons ces examens-là. Mais avant de continuer votre présentation, chrétien, vous avez dit depuis la seconde, un chrétien, un jeune chrétien qui est sur les bancs actuellement peut aussi cartonner, carburer du pour devenir un médecin comme Dansou que j'ai en face de moi. Oui, pourquoi pas? Mm-hmm. Certainement. Parce que souvent, quand nous, on était déjà au lycée, on disait que c'est seulement les enfants de médecins qui voilà. devenaient médecins. Voilà. Et on nous disait même de ne pas essayer. Mm-hmm. Mais avec la foi en oui. Jésus-Christ oui. et ce que le Seigneur mettait dans nos cœurs, mm-hmm. on a cru, on est allé, voilà. on n'avait personne, mm-hmm. on a appris et on a avancé. Gloire à Dieu. On est devenu médecin. Chers amis téléspectateurs, chers jeunes, vous qui venez de commencer les classes il y a de cela quelques semaines maintenant, vous pouvez, ceux qui ont ce désir d'être un médecin, dans quelques années, vous pouvez l'être parce que nous avons un exemple devant nous. Oui. Le docteur Dansou est là.
Oui. Vous êtes médecin spécialisé en imagerie médicale. Médicale. Voilà. Donc, en plus de ça, j'ai un engagement associatif. Voilà. Un engagement associatif. C'est ça. Pouvez-nous parler donc de votre association? Voilà. Donc, l'association des médecins chrétiens du Togo est née il y a, en 2008. Vous avez appelé Association des médecins chrétiens du Togo. Waouh. AMCT. Voilà. AMCT. AMCT. Donc, c'est parti en 2008 d'une vision. J'étais nouvellement médecin. Voilà. J'étais dans une clinique. Il n'y avait pas beaucoup de malades. Oui. J'étais couché sur le lit où j'examine les gens. Et puis, je voyais la vision de beaucoup d'entre nous en ce moment qui étaient sortis. On était des chrétiens. Voilà. Et on était dispersés. Chacun était de son côté. Chacun se battait à gauche, à droite. Et en même temps, je voyais que les sociétés secrètes, les francs-maçons, ils étaient organisés. Voilà. Ils s'entraidaient. Et j'ai commencé par me poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se mettre ensemble, nous aussi, en tant que chrétiens? Alléluia, alléluia. Pour, nous édifier, parce que j'ai constaté que quand on finit, quand on est parfois étudiant, on est très zélé, quand on finit, on rentre dans la vie active en tant que médecin, beaucoup perdent la foi. Oui. Beaucoup ne se retrouvent plus, n'arrivent plus à aller à l'église, ils perdent la foi. Je ne vous coupe pas le fil. Il y a un jeune, bon, je vais dire, c'est notre enfant, parce que c'est l'enfant de l'un de mes diacres. Il a embrassé cette carrière après la première année. Parce qu'ils sont en deuxième année, il y a certains enseignants même qui leur font cours pour leur, c'est ça. Leur société secrète. C'est ça. Donc, il nous faut une organisation qui nous permet de nous édifier, de garder nos valeurs, de garder nos convictions chrétiennes. C'est ça. Basées sur la parole de Dieu, de nous encourager à rester dans la foi. C'est ça. Donc ça, c'était le premier objectif. Le deuxième objectif, pourquoi ne pas s'entraider? Pourquoi ne pas? Parce qu'on est, on a la même foi, on a la même référentiel, la parole de Dieu. C'est ça. On a le même esprit, le Saint-Esprit. Est-ce qu'on ne peut pas se mettre ensemble pour s'aider, aider les étudiants, aider les médecins à s'installer? Et troisième niveau, pourquoi ne pas être une source de bénédiction pour notre nation? Wow. Ensemble, on pourra aider notre nation d'une manière ou d'une autre à pouvoir résoudre quelques défis en ce qui concerne la santé. Donc voilà comment est née la vision. Voilà. Et en lisant la parole de Dieu, ça a été confirmé dans mon cœur par Actes 4, 32 à 33, qui est le verset de base de notre association. C'est ça. On dit la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et une seule âme. C'est ça. Et nul ne disait que son bien appartenait en propre, mais ils mettaient tout en commun. Voilà. Et ils exerçaient une grande influence sur la population tout autour. Et les apôtres apportaient l'enseignement, etc. Donc, ça m'a encore marqué. J'ai dit, mais nous aussi, on pourra devenir cette communauté-là de chrétiens avec les valeurs et qui puissent partager ces choses ensemble et puis aider la population tout autour. Maintenant, est-ce que les gens, les collègues médecins arrivent à vous comprendre et à s'affilier, à s'associer à cette à cette vision. Il faut dire que vous me donnez l'occasion de parler un peu de l'historique. Au début, quand j'ai partagé la vision, beaucoup de gens ont trouvé l'idée très intéressante. Voilà. On a commencé, on a fait les tests, on a fait AG, on était très nombreux. Mais au fil et à mesure, compte tenu des contraintes professionnelles, des priorités des uns des autres, j'ai vu que petit à petit, les gens sont partis. Je me souviens, une fois, le bureau même était résumé à moi seul, alors, ou parfois à une seule personne, parce que les gens étaient tellement occupés dans leur activité. Et ça a continué comme ça. Bon, on faisait des réunions mensuelles. Les gens venaient, repartaient. Il n'y avait pas un engagement, une adhésion réelle. C'est ça. Jusqu'en 2017, où réellement, j'ai senti le Seigneur me parler dans mon cœur. Il dit, mais relis le texte de base. Acte 4. C'était des disciples qui avaient le même cœur. C'était des disciples qui avaient la même âme. Et quand j'ai relu, il a dit, mais est-ce que c'est les disciples que vous formez? C'est là que la tournure est venue. On a arrêté toutes nos activités. Et en 2017, on a fait une classe de disciples. Ça.
d'environ 25 personnes qui se sont inscrites. On a dit, on va s'enfermer pendant 2 ans, on va étudier la parole de Dieu. On va travailler sur nos vies. On va comprendre qu'est-ce que c'est que être disciple et comment s'engager. Voilà. Et je vous assure, pasteur, à partir de là, un noyau est né. Wow. Des gens qui sont affermis dans le Seigneur. C'est ça. Qui sont devenus des leaders et qui ont porté la vision voilà. de tout ce que nous pouvons faire encore aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, chers amis téléspectateurs. Vous êtes en train de suivre cette émission Sport et Santé où nous avons reçu le président de AMCT, l'Association des médecins chrétiens du Togo. Et, docteur, il semble que vous avez une conférence aussi en vue. Oui. Alors, régulièrement, nous organisons des conférences. Nous sommes à notre 8e édition. Voilà. Les conférences AMCT sont l'occasion d'exposer tous les médecins chrétiens à un certain nombre, à la parole de Dieu. Voilà. À la parole de Dieu. Parce que c'est vrai, nous avons aujourd'hui nos cellules de disciples, nos activités, mais ouvrir tout ça là pour que d'autres médecins, d'autres personnes puissent voir c'est quoi un médecin chrétien, voilà. comment est-ce qu'il peut s'engager dans sa communauté, comment est-ce qu'il peut marcher avec le Seigneur. Donc, nous organisons chaque année une conférence nationale. Et cette année particulièrement, autour de quel thème voudriez-vous? Cette année, nous voulons nous focaliser sur le thème « Prends ta place ». Médecin chrétien, prends ta place médecin dans cette chrétien, nation. Prends ta place dans cette nation. Ah, voilà. Il faudrait qu'il prenne vraiment sa place. Oui. Parce que, comme je venais de le dire, j'ai lancé un appel aux élèves, aux étudiants, aux élèves qui ont l'idée d'être médecin. Oui. Des fois, c'est parce qu'ils ne sont pas impactés. Il y a des médecins chrétiens qui sont là, mais cette jeune garde n'est pas impactée. Oui. Et ça fait qu'ils se disent, ah, je n'ai personne, ils n'ont pas de référence. C'est ça. Je crois que si le médecin chrétien prenait vraiment sa place, ces jeunes pourront s'appuyer sur encourager. Voilà. S'appuyer, savoir qu'il y a une communauté qui les soutient. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Oui, oui. Les soins que vous, les médecins, vous donnez, normalement, c'est pour racheter les vies. C'est ça. Mais vraiment, certains ne l'ont pas compris. Voilà. Quelle est même la vision du médecin chrétien. Bon, le médecin chrétien, il est médecin, mais il n'est pas médecin comme tout le monde. Voilà. Quelle est sa vision en devenant médecin? Qu'est-ce qui est dans son cœur? S'enrichir, trouver une place au soleil, etc. Ou comprendre que c'est un appel. Voilà. Comprendre que je suis placé au contact des malades pour démontrer la compassion, l'amour de Christ. Pour soigner d'abord, pour aussi amener au salut, voilà. pour aussi accompagner, aimer, consoler, encourager. La vision du médecin chrétien est complètement différente de la vision d'un médecin qui n'est pas chrétien. Voilà. Je suis sur mon lieu de travail pour représenter le Christ. C'est ça. En termes d'intégrité, en termes de la gestion de la chose publique, en termes de la gestion de l'argent et de la façon dont j'interagis avec l'argent, voilà. doit être complètement différent la façon dont quelqu'un qui ne connaît pas le Christ. Donc, c'est tout ce concept-là qu'il va falloir que le médecin chrétien comprenne. Ça. Et cette conférence aura lieu où concrètement? Cette conférence aura lieu à l'auditorium de Salut Joie, ouais. Le ministère Salut Joie, qui se trouve à Venou, proche de la clinique polyclinique. Polyclinelle. Voilà. Donc, nous allons commencer le vendredi avec la cérémonie d'ouverture, oui. à partir de 17h déjà, la cérémonie d'ouverture. Et suivra un message, le message introductif. Voilà. Et le lendemain, samedi, oui. donc ce vendredi, oui, vendredi, ce vendredi 27. Voilà. Donc le lendemain, samedi 28, oui. à partir de 7h déjà, nous serons là, dans les temps de louange et adoration. Nous aurons une conférence débat, voilà. Animée par d'autres médecins, oui. qui sont des seniors, qui sont aussi chrétiens, qui vont partager avec nous. Comment est-ce qu'on peut prendre notre place dans cette nation? Voilà. Qu'est-ce qu'on a de particulier? Qu'est-ce qu'on peut donner? C'est ça. Ensuite, nous aurons la seconde plénière et nous aurons la présentation d'un certain nombre de projets. Il y a des médecins chrétiens
qui ne se contente pas d'aller travailler, etc., mais qui s'engage dans voilà, la communauté pour faire quelque chose. C'est ça. Donc, certains vont nous présenter leurs idées, ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de vouloir faire en tant que médecin chrétien. Voilà. Et dans l'après-midi, on aura des ateliers. Voilà. Les ateliers sont sur beaucoup de thématiques. La Bible est-elle la seule vérité? Comment répondre aux défis que nous lance le panafricanisme spirituel? Ça, c'est des choses courantes qui sont dans les pensées, dans les universités. C'est ça. Et bon, alors, il y a des comment se préparer au mariage? Ça, c'est des thèmes sur le mariage. C'est ça. Étudiants, comment aborder l'année? On est en début d'année, voilà. Étudiant en médecine. Comment un étudiant en médecine doit aborder l'année? Quels sont les conseils? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Attention, etc. Donc, il y a des thèmes spirituels, mais aussi des thèmes comme, par exemple, comment interpréter un scanner, comment lire un résultat d'analyse et voilà. Tout ça. Donc, il y a des thèmes qui sont scientifiques, mais aussi des thèmes qui sont liés aussi à notre foi. Voilà. Comment reconnaître son appel, par exemple, comment savoir... Pourquoi est-ce que Dieu m'a appelé, etc., etc. Donc ça, c'est les ateliers en petits groupes. Donc, vous allez vous inscrire. Vous ne pouvez pas tout faire. Oui, mais vous à inscrivez chaque fois, vous allez selon votre profil. Selon votre désir, votre profil voilà. à un atelier. Et quels sont ceux qui sont donc invités à cette conférence? Alors, sont invités à cette conférence tout le corps du Christ médical, à savoir les médecins, généralistes, spécialistes, les étudiants en médecine, les infirmiers, les anesthésistes, les laborantins, voilà. Tous les assistants médicaux, tout le corps chrétien médical peut venir à cette conférence parce que tout le monde trouvera quelque chose pour s'édifier. Les psychologues chrétiens, les psychologues chrétiens aussi sont invités. Tous ceux qui ont rapport avec le patient sont les bienvenus à cette conférence. Voilà, c'est vraiment très intéressant déjà. Et la porte est ouverte grandement à toutes ces personnes ou bien à toutes ces catégories de personnes. Et j'espère que vous êtes invités et vous serez là. Maintenant, je sais que l'auditorium Salut Joie n'est pas une offrande comme ça qu'on vous a remise. Vous allez débourser des sous pour pouvoir le faire. Oui. Il y aura de l'eau peut-être pour certains qui vont boire. Il y aura des collations, voilà. Il y aura de la nourriture. Et quelle est la participation? Alors, ce que nous demandons... aux uns aux autres, c'est de nous soutenir un petit peu. C'est ça. Donc, les médecins seniors, ceux qui sont médecins depuis plus de 5 ans, s'inscriront à 10 000 francs. Les médecins juniors sont médecins moins de 5 ans à 5 000 francs. Oui. Les internes, ceux qui sont en train de entre étudiants et médecins, c'est à 2 000 francs. Et les étudiants... à 1000 francs. Voilà. Alors, tous ceux qui sont des paramédicaux, infirmiers, sages-femmes, et tout, c'est à 2500. Assistants, et tout, c'est 2500. 2500. Donc, c'est la contribution que nous pourrons, qui pourront nous faire pour nous soutenir. Pour soutenir cette association. Docteur, est-ce que moi, pasteur, j'ai envie de pouvoir suivre certaines thématiques. Ne pourrais-je pas venir? Vous êtes vraiment bienvenu. Ah, vous êtes vraiment bienvenu comme invité spécial. C'est ça. Je ne vous cache pas que pour la cérémonie d'ouverture, j'ai invité plein d'amis pasteurs et d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans la santé. C'est ça. Parce que c'est aussi l'occasion de nous connaître, de voir les valeurs que nous portons, les missions que nous faisons. Parce qu'on est une association qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais fait son travail. Il y a beaucoup de choses qu'on fait. C'est ça. Qu'on ne claironne pas tout le temps pour dire qu'on fait des actions. Chers amis téléspectateurs, vous êtes donc invités à cette conférence. Et même si vous n'avez pas le temps de passer, vous pouvez quand même apporter votre petite contribution pour aider ce mouvement, pour aider cette association, parce que cela va dans notre intérêt, de notre bien. Aujourd'hui, il y a certains qui sont... Et là, comme le docteur venait de le dire, uniquement que pour le gain, je ne vous dis pas, il y a quelque chose qui est passé sur la plateforme avec AMU, les gens ont commencé par s'adonner, et il y a encore d'autres derrière pour pouvoir escroquer. Mais
un chrétien, un médecin chrétien, un paramédecin chrétien qui est là ne pourrait pas le faire. Et il faudrait ces associations pour tirer sur la sonnette d'alarme et aider ces gens. Donc, vous êtes invité à pouvoir soutenir et aider cette association. Oui, et docteur, avant de venir à la fin, est-ce que dans les jours à venir, dans les mois à venir, vous n'allez pas avoir une autre assemblée ou bien un autre regroupement qui va même appeler les presque tout le monde pour venir écouter qu'il y a quand même un mouvement comme ça, une association comme ça, et dans un plein air quelque part, et vous faire connaître pour que les gens sachent qu'il y a des chrétiens quand même qui se démarquent, qui se différencient des autres médecins du monde. C'est une idée, pasteur, nous allons le noter. Nous allons le noter et voir. Comment est-ce que nous pouvons organiser cela? C'est vrai qu'il y a plein de projets que nous avons, mais nous sommes à l'écoute du Seigneur. Voyons les capacités que nous avons. Voilà. Et comment est-ce que nous pouvons répondre aux besoins qui sont autour de nous? Surtout nous pensons que être connu, c'est d'abord poser des actions. C'est ça. Je pense que Jésus-Christ avait cette habitude-là même de dire aux gens de ne pas parler. Mais c'est ces actions, c'est ce qu'ils sont en train de faire qui parlent de... Qui font claironner la chose. C'est ça. Et c'est cette philosophie-là que nous avons. Nous voulons que petit à petit, parce que nous pensons que la présence chrétienne dans notre nation ne doit pas être quelque chose qui est déclaré. C'est ça. Mais c'est quelque chose est vu. Quand on voit des hôpitaux que nous créons, quand on voit des CMS que nous créons, quand on voit les actions que nous faisons dans les prisons, dans les milieux reculés, et qu'on puisse commencer par se dire, il y a des gens qui font quelque chose. C'est ça. L'idée est bonne. Nous allons soumettre ça à l'équipe. Voilà, et l'étudier. Merci beaucoup, docteur. Chers amis téléspectateurs, nous tirons vers la fin de cette émission et avant que le docteur nous donne son dernier mot, nous aurons à l'inviter encore parce qu'il viendra nous parler mieux de quel type de maladie on peut avoir pour aller faire peut-être un scanner, pour aller faire telle, une échographie. Donc, on l'invitera encore. Mais souffrez que nous puissions quand même les accompagner dans cette organisation en attendant ce jour. Docteur, quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est encore de parler de notre thème. Je pense fortement dans mon cœur que pour changer nos nations, Dieu dépose dans le cœur des fils et des filles de cette nation-là des dons, des capacités, des rêves. Ça. Le changement d'une nation ne vient pas par un coup de baguette magique ou en regardant que celui-ci ne fait pas ce qu'il ne doit pas faire, etc. C'est lorsque chacun reconnaît en lui-même que Dieu lui a donné quelque chose et décide de le servir aux autres. C'est pour ça que nous appelons les médecins chrétiens à cette conférence, à pouvoir prendre leur place, à savoir que Dieu a mis en eux un don, un rêve, une vision qu'ils peuvent mettre en œuvre pour bénir la nation. Voilà. À ne pas rester tout le temps en train de se plaindre sur eux-mêmes, à se focaliser sur eux-mêmes. Ça ne va pas, je n'ai pas si, on ne paie pas bien, etc. Mais à voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour bénir cette nation merveilleuse que Dieu nous a donnée. Dieu nous l'a donnée, Dieu nous a placée ici. Voilà. Elle a placé des choses en nous pour enrichir notre nation. Et on peut apporter notre petite lumière là où nous sommes. C'est ça. Donc ça, c'est l'appel que je vais adresser. Je nous invite le vendredi, demain, donc demain à partir de 17h. Oui. Je nous invite samedi toute la journée à vous joindre à nous pour cela. Vous avez parlé de soutien, si les gens veulent nous soutenir. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez, vous pouvez nous envoyer à Timoni 90 07 23 30.
Flouze, 99, 99, 30, 30, 91, 91, 41. 41. Voilà. Donc vous avez ces deux numéros sur lesquels vous pouvez aider cette association. C'est des frères et sœurs en Christ réunis dans cette association pour aider et accompagner la nation. 90 07 23 30. 99, 30, 91, 41 sont les numéros sur lesquels vous pouvez apporter votre aide. Par la grâce de Dieu, avec l'aide du Seigneur, un jour, on aura un grand hôpital. Amen. À l'effigie de l'association des médecins chrétiens Alléluia. Du Togo. Alléluia. On aura des scanners. C'est ça. Et on aura beaucoup de choses. Beaucoup de choses. À prix abordable. À prix abordable. À prix et abordable. Quand on passe là-bas, on dit, ah, c'est un frère. C'est OK, un frère. On subventionne. C'est ça. Le Seigneur peut le faire. Ah, c'est un rêve que Mais nous avons. Le Seigneur le fera. Le Seigneur le fera. Que Dieu vous bénisse on a et même qu'il vous tout soutienne. Tout le projet sur papier. C'est ça. On attend seulement le bon moment du Seigneur. Il est fidèle. Et vos prières. Et il interviendra. Donc, priez pour nous. C'est ça. Demain, on sera à la prison civile de Palimé. OK. Où offrir des soins voilà. à la population. Et donc, priez pour nous. C'est ça. Pour dimanche, on sera dans une église pour aussi sensibiliser et soigner. Voilà. Donc, la conférence, ce n'est pas seulement les deux jours. Mmh. Ça a commencé depuis samedi dernier. C'est ça. Nous sommes en train de, et d'offrir ça continue. Les soins. Mmh. Donc, soyez avec nous, fortifiez-nous et priez avec nous. Le Seigneur est fidèle. Chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission Sport et Santé. Nous avons reçu pour vous le docteur Dansou Jean-Paul, qui est le président et en exercice de l'Association des médecins chrétiens du Togo. Il est aussi le responsable de la sous-région Afrique francophone des médecins et chrétiens. Donc, continuons par prier avec eux et le Seigneur ne tardera pas à intervenir. Nous allons prier. Adorable Père, merci pour ton amour et ta grâce. Nous voulons te confier ton serviteur que tu as placé au devant de cette association. Soutiens-le, bénis-le. Bénis toute l'équipe et bénis toute l'association. Que cette conférence fasse du bien à tous ceux qui participeront. Merci Seigneur. Nous avons parlé de certaines visions. Père, cette nation va émerger par ta grâce Amen. À travers cette association. Amen. Merci papa, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci et au revoir. Au revoir. Que le Seigneur soit avec et vous. À bientôt. Merci.